Mesdames et messieurs, c'est le lien qui permet de situer le niveau de danse de quelqu'un ou même d'un couple de danseurs. C'est aussi le lien un peu magique qui lie le danseur à tous les éléments, grosso modo, qui le font danser. Moi, je vois ça comme la connexion. Pourquoi ? Parce que en trois points, voilà comment je définirais la chose. Je dirais que un danseur, il se caractérise par sa connexion au sol, par son rapport qu'il entretient au sol. Toutes disciplines confondues, un danseur de hip-hop, un danseur de jazz, de classique, de salsa, il travaille son rapport au sol. Il y a toujours un effet causal entre son action de prise de sol et l'action que ça génère dans son corps, quel qu'il soit. À un moment donné, on pousse le sol pour obtenir une action dans son corps. Et donc, il y a le corps, en gros, est la résultante, le mouvement dans le corps est la résultante de cette prise de sol. Bref. Bonne prise de sol, bonne coordination. Le deuxième point, notre niveau de connexion, c'est la musique. Bien sûr, un danseur qui est pas en lien avec la musique, finalement, il a manqué quelque chose. Donc, on voit aussi le niveau du danseur par le lien un petit peu étroit, un peu la relation amoureuse qu'il entretient avec la musique. Ou toujours pareil, la musique procure quelque chose et ça induit un mouvement. Et puis, pour terminer, bien sûr, parce qu'on parle souvent de danse de couple, là, on parle de la connexion dans un couple de danse, la connexion entre deux partenaires, où là aussi il y a un début et une conséquence, quelqu'un qui instigue le mouvement, le danseur, le guideur on pourrait dire, qui impulse quelque chose, un espèce de stimuli, grosso modo son guidage, et la fille qui réagit. Et pareil, on peut évaluer le niveau de connexion, si vous voulez, la finesse de la connexion dans le degré de réactivité de la réponse de la partenaire au guidage du danseur. Et pour terminer, finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que en synthèse de ces trois points, donc connexion au sol, connexion à la musique et connexion au partenaire, finalement, c'est la connexion émotionnelle qu'on a à ces trois éléments qui nous donne vraiment finalement cette connexion un peu magique. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, la connexion qu'on entretient avec le sol, ça procure du plaisir. De même, la connexion avec la musique et bien sûr, le lien avec la partenaire, c'est même pas la peine d'en parler. Ça aussi, ça nous transcende. Donc, connexion, finalement, c'est beaucoup une sorte de connexion émotionnelle. Plus vous aimez ces éléments, plus ça vous fera danser. En gros, aimez la danse et la danse vous le rendra. Hasta luego, señores.